Bonjour YouTube, comment vas-tu? Suite Pokémon Voyageur, encore une fois, on se retrouve dans la ville de Suntory City. Rappelez-vous, nous avons l'arène à faire aujourd'hui. L'arène, voilà, de type glace et spectre, visiblement. Et on s'est un petit peu préparé. J'ai des choses à vous montrer. Donc, j'en ai profité pour spammer les poussières d'étoiles sur Starry à la pêche là. Et qui nous a permis de gagner du pognon. Pognon que nous avons dépensé pour faire du Wonder Trade. Vous savez, les Wonder Trade dans les jeux récents, c'est l'échange miracle. Ça nous a permis d'avoir des choses. Bon, j'avais capturé un Starry ou deux pour trade. Donc on a récupéré. Lui, on l'avait déjà capturé. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Bref, on a lui. Alors, on va y revenir sur lui parce que lui, il a évolué. Mais je vais vous montrer celui qu'on a eu à l'original. Donc ça, c'est Varaflare qui est de type feu et qui peut apprendre Dansdrakko. Donc ça, c'est une possibilité pour l'arène glace. Mais j'ai pas spécialement envie de l'utiliser. Je vais vous montrer après pourquoi. On a récupéré, on a stocké Gob, hein, vous aurez remarqué, parce qu'on va pas garder dans l'équipe. Lui, il n'a pas bougé. J'avais récupéré. Maintenant, vu le poder, c'est ce qu'on a capturé. J'ai récupéré le Minitor, qui est de type fait combat. Voilà, c'est très drôle. Donc, il est fait combat, il a des stats plutôt offensives. Mais c'est pas lui qui nous intéressera, même si le type combat est très bien pour le type glace. Ça n'a pas changé. Et le Pokémon qu'il y avait dans l'œuf n'était autre que lui, Croa, voilà, qui a Storm Drain, donc lavabo, et qui est de type eau. Mais sachant qu'on a le starter de type eau, eh bien, on va le laisser là, même s'il a l'air intéressant à un niveau 8, il a des bonnes stats. Hein. Voilà, donc ça c'est pour la partie du PC. Donc le Pokémon feu. En question, hop, est-ce que je vais réussir à le retrouver? J'ai fait exprès d'aller vite parce que je voulais pas vous montrer le début du Pokédex. Évidemment, on a vu ce truc? Oui. Il est. Où c'est qu'il est? Je m'en rappelle plus du tout. On va essayer de remonter un petit peu. Pas trop monter vite. Là, c'est de la glace. Donc, il y a lui. C'est vrai que lui, on l'a capturé du coup. On va reparler. Hein. Bon, après, évidemment, j'ai des Pokémon dans le Pokédex hein, parce que, évidemment, j'ai fait des échanges miracles. Ah, mais il va être dans le début du Pokédex alors? Notre cher ami. Ah oui, lui aussi. Bon, on va en parler, vous inquiétez pas. Eh bien, ça alors. Je l'ai raté. Oui, Charizard, oui. Il est où ce Pokémon? Oh, au secours. Attendez, je vous jure, je vais le trouver. Hein. Je vous jure qu'on va le retrouver. Non. Au secours. À l'aide. C'est pas d'Arvesta. Ah. Non. Ah, voilà. Donc c'est lui qu'on a eu. Voilà, on va y arriver. Hein. C'est lui qu'on a eu en échange miracle, qui évolue en Varaflare et qui probablement évolue. Alors j'imagine un feu dragon, en vrai. J'imagine totalement un feu dragon, donc pourquoi pas. Et nous avons eu des choses, puisque vous voyez, début du Pokédex, nous avons chopé le starter plante, que nous avons fait évoluer, et le starter feu, que nous pouvons avoir sur les échanges miracles. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et bon, après ça change pas. Donc voilà, on a chopé les deux autres starters et l'équipe. Ah, l'équipe. L'équipe se compose de nouveautés, hein, puisque nous avons Rangif. Voilà, Rangif, mais je ne sais pas quoi en dire, parce qu'en fait ce Pokémon est craqué. Vous allez comprendre à l'arène normalement pourquoi. Donc j'ai mis Laurent Berry pour l'instant. Il a Sturdy en plus. Voilà. Et des stats plutôt correctes pour le niveau 20. J'ai monté à peu près niveau 20. J'avais des Pokémon 24-25, donc j'ai monté. Je suis pas allé plus loin. Et au niveau des attaques, Bullet Punch, Mist, Brume. Mais pourquoi Brume? Puisque nous,
ça empêche la réduction des abilities, donc c'est-à-dire des stats. Mais ça va de pair avec l'attaque Tinker qu'il a appris. Et cette attaque, elle est juste à bannir du jeu, quoi. Elle est trop forte. Parce que, en fait, on augmente 4 stats au pif. Et quand je dis 4 stats au pif, ça comprend l'esquive. Rendez-vous compte. Et ça en baisse 2 au pif. Problème étant, c'est que si on met Mist, on augmente 4 stats, mais il n'y en a aucune qui descend. Vous voyez le délire? Et low kick, balayage, il avait déjà. Donc ça va être une dinguerie. Hein. Ensuite, nous avons Yona. Donc Yona, c'est... il s'appelle comment? Privini. Privini, donc on lui a mis le charcoal, le charbon, qui est l'évolution du starter feu, qui a des stats complètes. Hein. Et la flemme charge, double kick, confusion. Donc là, au niveau de là, c'est plutôt correct. Nous avons le Squirette qui a évolué et qui évolue en normal acier. Ce qui est très drôle, et il a 64 en défense. Niveau 21, c'est plutôt bien. Metal Claw pour booster l'attaque, Quick Attack pour le stab, poursuite. Voilà, il a ramassage, ça nous... D'ailleurs, on va lui enlever ce putain d'objet de merde. Voilà, donc on verra quel B on lui met. Ou pas de B, hein, pas de tout court. Et continuons. L'évolution du starter plante avec Plagar. Donc on avait vu contre avec le rival, hein, il me semble. Voilà, donc il y a des stats plutôt bien, une bonne speed. Niveau 22, hein, très très bon. Hein. En même temps, il a des bons IV en attaque et en speed. Bon, il est bold hein, qui lui diminue l'attaque. Bon, c'est un peu problématique. C'est pas très grave. Voilà. Après, Trancherbe, on-claw aiguisage pour ne pas rater Trancherbe. Voilà. Le B-Robert, vous le connaissez. Et Ruzelka, vous connaissez. Donc voilà. On va y aller, hein, mais je vais vous montrer preuve à l'appui que Rangif, je pense que ça va être. Ça peut casser le jeu, hein. Littéralement. Hein. Moi, j'ai pas testé les comment les dresseurs de l'arène. Je vais y arriver. Du coup, ouais. D'accord. Hein? Et donc là, pour l'instant, on peut pas passer. Ok, mais on peut peut-être pousser le... Non. On va voir si on peut affronter des dresseurs en vrai, parce que là, je suis un peu du père. Ok, là, on peut pas l'affronter. Bon, autant que je comprenne le fonctionnement de l'arène. Hein. Hein, on peut pas passer comme ça? Ah bon? Ah bon? Oh, j'ai pas bien... Ah, d'accord, ok. On peut les pousser. Est-ce que ça marche comme ça? Donc si on fait ça, ça marche pas. On recommence. Ok, alors est-ce que si on le met là, est-ce que c'est gagné? Ah, c'est perdu. Ah mais non, mais je suis con, il faut que je le... D'accord, j'ai compris. Mais attends, mais on peut pousser... Attendez. Ok, donc là, celui-là, je peux pas le pousser. Donc est-ce que foncièrement, c'est celui-là qui doit être poussé? Bon, on va voir. Hein. On va essayer, hein, en vrai. Ok. Donc déjà, ça a plus de sens. Est-ce que... C'est gagné. La super potion... Très bien. Mais du coup... On peut pas pousser celui-là. On peut pas pousser celui-là. Là, on peut pas bouger. Ok, mais alors ça m'indique pas tout ça. Ah, oh purée, c'est ça qu'il faut que je fasse là. Attendez, j'ai peut-être une idée. C'est une dinguerie. Hein. Donc en fait, faudrait qu'on le mette là pour aller de ce côté. Mais je le pousse où justement là? La question est... Alors peut-être là. Hein? Il revient le bâtard. Ouais, ça marche pas. Ah!
Oula. Oula, c'est pas clair. Hein. C'est pas clair. Mais pourquoi pas? Ok. Laurel. Ok, moi, Swinub. Bon, en vrai, Swinub, le problème de Swinub, c'est que. C'est que. Il est type sol aussi. Hein. Ok, donc. On va faire Tinker. Pour vous montrer. Oh merde, Laurent de Berry, c'est proc. Donc là, on est sous brume. Donc on peut pas perdre de stats. Hein. C'est absolument incroyable. La défense. La défense. La spédef. Et la curacy. Donc j'ai augmenté de 2 crans ma défense. Donc ça peut être même mes propres stats. Attendez. Mais non, mais. Mais. Ah, au secours. On refait Tinker. Attaque. Evasiveness. Spé attaque. Bon, je me suis fait. Bon, voilà. Ne faites pas ça chez vous, évidemment. Ne faites pas ça chez vous. Réflecteur helmet. Hear the foe when using non-contact move. Oh, mais c'est incroyable. C'est craqué. Ok. Non, mais par contre, je veux repartir. Je veux repartir. Hein. Mais par contre, je suis bloqué à l'infini, c'est ça? Au score! Au score! Non! Ok, là, je suis dans une boucle temporelle. Au score! On peut bouger celui-là. Hein. Ouais, c'est bien. Je veux juste aller me soigner, ouais. Ok. Attends, mais un réflecteur helmet? Non, mais attends, what the fuck? Vas-y, on va le mettre sur Rangif, on va voir. Hein. Ok, donc là il faut que je rebouge le. Oh, terrible. Oh, terrible les images. Hein. Ok. Alors. Du coup, on l'avait mis sur le. Bah, le deuxième, non? Non, c'était pas ça, non? Si. Si, c'est bon. Ok. Ok. Donc si on fait. Je sais pas si on fait ça. Ok, et là, comment on y va en vrai? Donc là, il me le remet ici. Comment je vais en haut en fait? Ok. C'est pas clair. Ah mais il faut que j'en mette un là. Réfléchis un petit peu. Ok. Comment on fait d'ailleurs pour l'amener le dernier? Attendez. Ça me perturbe cette affaire. Ah si, peut-être là. Si on fait ça. Ah. J'avais pas vu les choses comme ça en vrai. Ouais, mais lui il me fait chier en fait. Ok, on recommence. Je sais pas si foncièrement il faut le. Celui-là il faut l'envoyer ici. Parce que là si je vais là. Ok, là je suis bloqué. Là ça me ramène au début. Là je me fais une bolosse. Ok, donc faut forcément. Il me faut forcément le. Je suis une merde. Je suis une merde! Au secours! C'est pas chiant, hein! Ok. Donc là. Donc, faudrait que je l'envoie au milieu du coup. Donc au milieu, oui. Donc là, je peux pas passer. Je suis bloqué. Attends.
Ah oui, mais j'ai réussi à passer par là. Donc faudrait que j'arrive à... Ouais non, mais faudrait que je puisse pousser celui de droite, ça n'a pas de sens. C'est pas évident. Ok. Hein? Mais il faudrait que je puisse pousser celui d'en haut, on est d'accord, non? Mais pourquoi je peux pas passer là? C'est pas clair, hein? Hein? Ah si, c'est bon. Ok, l'enfer! Merci. Ok, ça me débloque ce passage-là. Bon, par contre, je vais faire une safe state parce que ça va vite me saouler. Ça va vite me saouler. Ok, bon, on va affronter lui. Hein. Ok, Sfil. Ok, on va faire ça. Attaque, speed. Ok. Sneasel qui va se prendre son low kick. Ok, très bien. Est-ce que j'ai un peu de potion là en vrai? Oh putain, ah oui, j'ai encore des Stardust, j'ai pas menti. Ok. Ça va être les embrouilles là. Ah, il faut envoyer le Sfil de l'autre côté là? Mais je peux pas le pousser là? Ah ouais. Mais attends, mais non. Ah si, c'est bon. Mais quel enfer. Bon, la logique voudrait que je le... Que je le mette là. C'est pas clair encore, hein. Ok. Jusque là... Bon, je sens que là, il faut pas que je fasse de conneries. Ah, mais il y en a encore un à mettre là en haut? Ok. Ok, c'est les embrouilles. Par contre, il va se calmer, votre pote. Ouais, bon. Bon, c'est pas si pété dans le sens où on n'est pas très fort encore avec... Rangif. Ok. Toi, on va te gérer. Avec Disarming Voice, Covette. Ouais, non. On va pas prendre Covette. Ok. Très bien. Et si... Mais je peux revenir comme ça en fait. Ok. Bon, le problème étant. Ah, ouais, il y a un duo qui est en haut. Il faut que je ramène les Obalis là. Ah non, mais il y en a un là. Je suis bloqué là. Au secours. Ça va pas me saouler. Non, mais il faut que je ramène. Il faut que je ramène cet Obali là. Je vais péter un câble là. Je vais péter un câble. Attends. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Donc c'était pas par là. Donc là, il repart à gauche. Ok.
En vrai. Putain, faut pas que je déconne là. De toute façon, j'ai pas le choix. Ah, mais je suis bloqué par là, à chaque fois. Alors, si je vais là, ça m'amène ici. Ok. Ok, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Ok, ça a bloqué ce chemin-là. Oui, mais au demeurant, je fais comment là? Parce que là, je peux pas passer là, mais il faut que je le repousse encore. Là, je peux plus. Mais non, mais là il est sur son spot là. Je peux pas lui parler à elle en fait. Pas clair hein. Mais là il y a un il me manque une donnée là, c'est pas possible. Dis pas qu'il faut que je pla... Non mais non, de toute façon. Mais lui, je peux pas le bouger hein. De toute façon. Mais c'est quoi ce bordel? C'est parce que j'ai pas mis le dernier là? Y en a que c'est que j'ai loupé. Mais là par contre je sèche là. Qu'est-ce que j'ai loupé comme info là? Parce que si je vais là, ça me ramène là, là je peux pas y aller. Hein, c'est marrant ça. Ah ouais, t'es fan des Pokémon Spectre, c'est bien. Ok. Mais là, je vous avoue que... Mais il y a encore un truc à placer en haut, là. Le problème, c'est que j'y vais comment? Ça, je l'ai placé. Bon, je vais l'affronter, on va voir. Hein. Vas-y, on va faire flame charge. On va le bourrer. Mais ça débloque rien du tout en fait. Mais ça me fume. Mais j'ai pas fait ça. Ok. Oh, les images sont terribles. Ok. Ouais, tu te bouffes bien mon casque brut. Non, mais par contre,
Enfin, je veux bien faire le champion, mais au bout d'un moment... J'ai pas de revive. J'ai des Pokémon morts. Ah bah oui, j'ai Rangif qui est mort. Bon. Ok. Full restore peut-être pas. Ah mais j'ai plus rien. Bon en vrai... Vas-y. Hein? Ah mais je peux... c'est bien, c'est bien. Ok, là je suis bloqué. C'est une blague. Le jeu me provoque, hein. Ok, là il m'a débloqué ça. Maintenant il faut débloquer le dernier. Évidemment. Je peux pas passer par là. Bon sang. Oui. Alors dis-moi que c'est ce chemin-là parce que sinon je pète mon crâne. C'était pas ça? J'ai envie de crever. Attends, est-ce qu'il me reset le truc lui? Ah mais je vais te baiser là? On me dit pas qu'il faut que je recommence parce que je vais péter mon crâne. Je vais m'énerver. Mais là, je suis bloqué là. Ça va m'énerver. Je vais péter mon crâne. Je suis bloqué, ça veut dire autre chose. Ah, ça me l'a... Ah, ça me l'aurait peut-être gardé. Ok, ça m'a sauvegardé. Ok, ça va. Ok, j'ai une petite frayeur. Ok. Ok, donc je peux recommencer. Ça, c'est bien, par contre. Ok. Je vais pas m'énerver. C'était pas là qu'il fallait le mettre, évidemment. Non, après, je pense que j'ai compris en vrai. Non, c'est pas là que je vais aller, merci. Toujours pas là. J'ai vraiment fait ça là. Ah, c'est vraiment pas amusant. Hein. Là pour le coup. De toute façon, et. Vous savez quoi? Merde, il est où ce putain de centre Pokémon? Quitte à ce que la reine nous casse les moments, on va lui casser les noix à notre tour. Hein. Non mais. Je vais pas m'énerver. Ok, s'il faut, vous êtes tous en train de gueuler parce que je suis une merde. Hein. Mais pousse-toi!
Ouais, mais c'est bien. Sortez-moi de cet enfer, merci. Mais tout ça pour faire ça, quoi. Ok. Quel enfer. Voilà. Allez, on y va et on conclura là-dessus, parce que ça en est trop, hein. Ouais, j'en ai rien à foutre de temps. Ouais, Charon. Charo, hein. J'ai lu Charo. Hein. Ok, deux skulls. Bon, niveau 21. Shadow Sneak. Ok. Fais ton Shadow Sneak. Allez, le Tinkerer, c'est parti. L'Evasiveness, la Curacy, la Speed, la Spedef. Bon, t'as pas raté Shadow Sneak. En sachant que j'ai la baie Citrus pour, voilà, pour me permettre de me placer. La speed, l'évasiveness, la speed. Il faudrait penser à augmenter autre chose. Hein. Voilà, ça y est, ça commence à rater. Parfait. Ok, l'aspect attaque, la défense, l'évasiveness, l'aspect attaque. Bon, ce serait bien d'augmenter un peu l'attaque. Ouais, je suis une raclure, hein, on peut le dire. Hein. Ok, j'augmente l'attaque, l'évasiveness, l'accuracy et l'attaque. Donc je suis à plus d'une attaque. Ok. Bon, on va remplacer un Mist. Hein. Il lui manque plus que move de soin et là, c'est Nifingos. Hein. Le Pokémon, il veut rien dire. Hein. En vrai, on va attaquer après. Ok. La speed, la défense et l'évasiveness. On a 4. On est à 4 en esquive quand même. Hein. Bon après c'est Skeleox quand même. Ok. Ah ouais, je l'ai vanquish, ouais. Ah mais il a 6 Pokémon et j'ai pas remis le multi-exp. Ah oui. Ah! Et il rate pas son attaque? Ah, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Polar Shriek? Mais c'est quoi ce Pokémon craqué? Je suis pas plus rapide quand même, hein! À moins que ce soit Prio, Polar Shriek. Ah, il a changé, maintenant il fait Frost Breeze, d'accord. Ouais, bon, coup critique, c'est normal, c'est tout le temps un coup critique. Avec le cri de Montmartre, hein, d'ailleurs, au passage. Ah, donc c'est de son meilleur, d'accord. C'était son meilleur, ok. Ok, bon, on va voir. Ice Ball, ouais.
Bon, sachant que derrière j'ai je peux le mettre KO avec le Pokémon plante. Putain, mais l'attaque quoi. Potentiellement l'évolution du Pokémon qu'on avait vu en duo qui est peut-être Glazragon. Hein. J'ai oublié le nom. On va peut-être se faire ouvrir aussi. Hein. Ok. Ok, Fogler c'est bon. Bah bon après le reste derrière. Niveau 17 ce truc? Est-ce qu'il résiste à la plante? C'est un glace poison? Ou un spectre hein? Ouais, poison c'est sûr. Non, j'ai pas réussi à le paralyser. Je vais re-essayer de le paralyser en vrai. Voilà, nickel. Oranberry, c'est bien. Et tu peux pas bouger. Non, j'ai engrais. Hein. Lol. Ok. Ok, ok. Bah, en vrai, vas-y, pourquoi je ne verrais pas le piaf en vrai? Sûr de tuer. Hein. Icy Wind. Alors il est peut-être glace poison ce truc, hein, en vrai. Alors, je pense que je l'attaque quand même malgré avec la paralysie, voilà, c'est ça. Ah mais au berg. Il reste deux Pokémon. Ça dépend. Ça refond. Bon, on va gratter des dégâts. Hein. Évidemment, les types acier. Ou roche. Roche spectre. Roche, ça m'arrangerait en vrai. Ça m'arrangerait totalement. Ça m'arrangerait totalement. Normalement, j'ai mis le Mystic Water sur. Ouais, ben, il est bien roche. J'ai bien mis l'eau mystique, je crois, sur Ruzalka. Et le dernier, du coup, est-ce qu'il va m'ouvrir le dernier? Oh, mais c'est Terraclope. En vrai, Terraclope, attention tout de même. Hein. On va faire Water Pulse. Shadow Punch. Mais combien? Ça va. Ah, mais oui, c'est vrai que j'ai le Rocky Helmet. Oh, c'est génial. Vous avez gagné. C'est du génie. Bon, coup critique, bon, ça accélère le processus, c'est bien. Ok. Allez, niveau 27. Et on a battu Charon. Tu es le maître du monde spectral. Ouais, bon, calmez-vous quand même. Et je reçois le badge éthéréal. Bravo. 26 heures de jeu. On sent pas qu'il y a une XP l'accélérer du tout. Hein. On sent pas du tout. Tous les Pokémon jusqu'au niveau 45 t'obéiront et prend Psychogénique Shield. Perception en bras, inflict Frostbite. Un truc psy qui peut geler peut-être. Ah non, Weathering the Element, en fonction de la météo peut-être. Ok. J'ai battu un nouveau champion, Charon était un adversaire difficile, mais j'ai réussi à être plus fort et plus intelligent. Mais je deviens de plus en plus fort et plus intelligent à chaque match. Le badge est mien. Donc il faut aller à Sirius Wharf to challenge Trimir. Ok. Bon. Bon, c'est un first try. Est-ce que tout le monde est avec moi? Ah, le fameux... la fameuse excursion d'un... Voilà, c'est ça. Ok, les Sycorax ruines. Mais du coup, j'imagine, on va nous donner peut-être Éclatroc pour qu'on puisse un peu plus fouiller, non?
Pas du tout? Pas du tout? C'est comme ça que ça va se passer? Oh, la petite musique. La petite musique des régies, au calme. Ok. Mystérieux Shard, je t'avertis qu'un groupe allait vers les six Corex ruines. Ok. Un notice de Mysterious Man de la vieille arène cherche la Strange Shard. Ok. Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on va se diriger prochainement vers les ruines de Sycorax. Nous avons obtenu le badge. J'ai 47% de capture rate, incroyable. Incroyable. Trainer Battle, Evolve 5 Pokémon. Ok, bon, on s'en fout. Du coup, bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Beaucoup de promesses hein, sur Rangif, hein, bien sûr. Et une équipe toutefois prometteuse, hein, même si bon, la plupart des Pokémon se sont fait ouvrir par le Pokémon dominant du dresseur. Hein. Mais c'est là. Beerobert va sûrement évoluer à un moment donné. Les starters vont forcément évoluer. Terrorette, lui, n'évoluera pas, à croire le Pokédex. Et Rangif, j'en sais rien du tout, mais probablement je crois qu'il évolue. Donc, c'est plutôt cool. Donc on se retrouve la prochaine fois, la semaine prochaine, pour la suite de Pokémon Voyageur. Des bisous YouTube et abonne-toi. Le pouce bleu surtout, pouce bleu, c'est le plus important. Allez, tchuss.